Je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans, je suis né à Luz-la-Croix-Haute et donc je pratique beaucoup de ski alpinisme, de l'escalade, de la montagne en général. Et puis donc un peu de course à pied pour l'entraînement pour l'hiver. Alors je choisis cette course parce que c'est un tracé qui me convient très bien. Je fais plusieurs voies dessus, puis pour moi c'est un peu un symbole, c'est un peu le plus haut sommet du massif. Donc ça c'est venu naturellement, l'envie d'essayer de battre un record. Il part au niveau de la fontaine, donc au niveau du refuge Cézanne. Donc on a environ 3 minutes de plat et ensuite j'ai pris l'ancien chemin des guides. Et là tu as environ un quart d'heure de montée très raide. J'avais 5 minutes d'avance, même un peu plus, 7 minutes. Donc là, j'étais vraiment remonté à bloc et les sensations allaient de mieux en mieux. Donc c'était que du bon pour la suite. J'ai vraiment eu un coup de moins bien, mais ça je le savais aussi un peu, c'est à la fin du plat, sous Rochefort-Yeau là. Mais bon, j'ai essayé de gérer parce que je savais que derrière il y avait la montée du Dôme et je savais que j'étais meilleur dans du raid, donc j'ai pas cherché à me mettre dans le rouge à ce moment-là, mais ça a été un moment très dur à passer. J'ai vraiment pu accélérer au début, je me sentais vraiment bien et les 10 dernières minutes ont été vraiment dures. We'll be right back.
on arrive en haut d'un sommet, finalement, même si on ne fait pas un record ou quoi, on est tout seul là-haut et puis on se sent bien.